tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter la recette du Kinder Delice XXL. Je vais vous présenter dans cette vidéo une génoise au cacao super légère avec une crème à la mascarpone parfumée à la vanille ainsi que une ganache de recouvrement effet miroir. Ce gâteau est super bon, il est moelleux, il se conserve 2 jours au frigo. J'espère que vous allez le réaliser. Moi, mes enfants, ils l'ont adoré et moi aussi. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. N'hésitez pas à me faire des petits pouces bleus, à me laisser des petits commentaires, c'est toujours motivant. Allez, on passe tout de suite à la recette. On commence tout de suite par la recette de la génoise au cacao. On aura besoin de 200 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 4 œufs, 30 g de cacao, 20 g d'huile, un sachet de levure chimique de 10 g. Et une pincée de sel, c'est facultatif. On va commencer par casser les œufs. On va rajouter la moitié du sucre et on va commencer à battre le mélange œuf et sucre. Petit à petit. Ensuite, on rajoute l'autre moitié et on va augmenter la vitesse de notre robot à la vitesse maximale. On va mélanger le tout jusqu'à ce que ça double de volume, jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, on va rajouter l'huile. On va mélanger les éléments secs, à savoir la farine, la levure ainsi que le cacao. On va rajouter la farine, le cacao et la levure chimique à notre mélange. Et on va venir à l'aide d'une marise incorporer nos éléments secs. Le mélange doit être comme ça. Donc, il faut mélanger du haut vers le bas pour ne pas rabaisser notre mélange œuf et sucre. Et ensuite, vous allez venir disposer votre pâte sur un moule rectangulaire. Vous allez disposer votre pâte sur tous les côtés. Vous pouvez vous aider d'une cuillère comme je l'ai fait, car la pâte est un peu sèche, donc c'est difficile de la mettre dans tous les côtés. À l'aide du dos d'une cuillère à soupe, vous allez venir répartir la pâte sur les côtés, c'est important, et de façon uniforme pour avoir un joli gâteau. Ensuite, on va venir enfourner le tout à 180 degrés pendant 25 minutes.
Vérifiez votre gâteau, vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau que vous allez planter au milieu du gâteau. S'il est bien cuit, le couteau ressortira tout sec. S'il manque un peu de cuisson, il ressortira un peu humide. Donc il faudra le laisser encore un peu. Tout ça dépend de votre four, bien sûr. Le mien, il a cuit en 25 minutes. Ensuite, on va filmer le gâteau et le laisser bien refroidir. C'est vraiment important pour ne pas qu'il s'effrite à la découpe. Il faut le laisser refroidir minimum 1 heure. Moi, je l'ai fait la veille pour le lendemain, j'avais du temps. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser reposer 1 heure. Ensuite, vous allez venir découper votre gâteau en deux. La partie du bas nous servira pour la partie du haut lorsque l'on va décorer le gâteau. Donc, essayez de découper de cette façon. Ensuite, on va venir imbiber notre génoise. Alors, vous pouvez utiliser du jus de votre choix, du jus de pomme, du jus d'orange. Vous pouvez également utiliser des boissons gazeuses. Ça m'est déjà arrivé, le gâteau est super bon après. Mais voilà, vous pouvez utiliser le jus de votre choix. Il faut bien imbiber la génoise. Ensuite, vous laissez de côté et on va passer tout de suite à la réalisation de notre crème mascarpone. Alors, on aura besoin de 200 ml de crème entière liquide, à minimum 30% de matière grasse. Ensuite, on aura besoin de 250 g de mascarpone, 80 g de sucre glace et une cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez utiliser bien évidemment un sachet de sucre vanille. Si vous n'avez pas la vanille liquide. Alors, ce qui est important dans la réalisation de la crème, c'est que vos fouets et votre bol ainsi que la crème doivent être bien froids. C'est important pour qu'elle monte bien. Donc, mettez-les 1 heure, voire 1 demi-heure avant dans votre congélateur. Donc, on va venir mettre notre crème dans le bol bien froid. Et on va commencer par rajouter la moitié. Bon, moi j'ai fait la moitié pour bien mesurer, pour vous donner les mesures exactes. Mais vous pouvez mettre le sucre glace d'un seul coup. Et on va commencer à fouetter le mélange petit à petit, donc à vitesse minimale. Et puis on va augmenter la vitesse petit à petit. Donc moi, le sucre glace, j'ai mis 80 grammes. Donc si vous aimez les crèmes bien sucrées, il faudra goûter. Là, j'ai goûté. Vous voyez bien en image que je goûte à chaque fois pour voir si la crème me convient. Donc moi, 80 grammes de sucre glace, ça me paraît suffisant. Ensuite, je rajoute la mascarpone. Et je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de vanille liquide. Bon, j'aime ça, vous pouvez en mettre moins, bien évidemment. Et ça donne un super bon goût. Et je vais venir mélanger le tout. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, la crème est prête. C'est une crème que vous pouvez utiliser dans d'autres gâteaux, pour vos cupcakes aussi. La crème à la mascarpone, c'est celle qu'on réalise le plus souvent. On peut l'aromatiser avec des arômes de notre choix. Ici, c'est la vanille et elle se tient super bien. Je goûte à nouveau, c'est super bon, elle est super bonne. On passe maintenant à la réalisation, donc au montage de notre gâteau. On va venir mettre notre crème donc sur la partie du haut de notre génoise. S'il manque encore, si elle a l'air un peu sec, vous pouvez rajouter un peu de. Vous pouvez encore l'imbiber un petit peu avec du jus, donc le jus de votre choix, comme je vous ai dit précédemment. Vous pouvez en rajouter pour qu'elle soit bien imbibée. Donc je mets ma crème par-dessus et je vais venir l'étaler uniformément. Il faut que ça soit uniforme pour que ça soit joli à la découpe. Essayez d'en mettre partout et sur la même hauteur.
Ensuite, je mets donc l'autre partie de la génoise par-dessus. Et je vais venir mettre mon gâteau au congélateur minimum 1 heure. Vous pouvez faire des petites retouches, voilà, pour bien mettre de la crème de partout, surtout sur les côtés. Donc mettez votre gâteau au congélateur minimum 1 heure, c'est important. Et ensuite, pour la ganache de recouvrement, donc j'ai eu un petit souci avec le film. Je croyais que je filmais, mais je ne filmais pas. Je vous la posterai bientôt sur ma chaîne et c'est vraiment facile, ce n'est pas compliqué. Il vous faudra seulement 200 g de crème entière liquide, minimum 30% de matière grasse, ainsi que 200 g de chocolat noir dessert à pâtisser. Il faudra donc couper votre chocolat noir en petits morceaux, faire chauffer votre crème au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude et la verser sur votre chocolat. Vous laissez 3 minutes le temps que ça fonde bien. Et ensuite, vous allez venir remuer tout ça et rajouter une cuillère à soupe de beurre. Vous laissez de côté et vous avez votre ganache de recouvrement. Elle est liquide et elle est super bonne. Elle peut servir pour d'autres gâteaux. Voilà comment elle est. On voit les décorations de ma cuisine au travers, tellement c'est un effet miroir. Et c'est super joli, et surtout quand ça prend, le gâteau devient super bon et c'est très moelleux en fait, ça ne se casse pas par-dessus. Donc vous allez mettre votre ganache sur tous les côtés. Vous allez essayer de l'étaler pour mettre sur les bords. Ensuite, vous pouvez récupérer, ici je vais récupérer le chocolat qui est tombé et je remets encore sur les côtés jusqu'à ce que je vois que mon gâteau est bien recouvert. Ensuite, on le remet au frigo pendant une demi-heure minimum. Et voilà le résultat. C'est super bon, super joli. Les décorations par-dessus, vous pouvez le faire avec du chocolat au lait. Et moi, j'ai fait des rayures comme ça. Bon, je l'ai fait avec mes enfants. C'est toujours un plaisir d'être en cuisine avec eux. Et voilà, le résultat, il est super bon. Le gâteau, il est super moelleux. N'hésitez pas à le réaliser. Vraiment, vos enfants vont l'adorer. Et voilà, donc j'espère que vous allez aimer cette recette, que vous allez la tester. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!